pas d'autre solution. Hugo doit apprendre à maîtriser le Wakfu. Et je suis le seul à pouvoir le lui apprendre. En ce moment même, le Wakfu de Grugaloragran se dirige vers son Dofus de sauvegarde. Hugo et moi sommes liés au vieux dragon et il est de notre devoir de récupérer l'œuf sacré. Quant à vous, vous devez prévenir le peuple Sadida de la menace qu'il guette. L'heure est à la séparation, mes amis. Hein? Mais on se reverra plus, alors? J'ai promis à Alibert de veiller sur toi, Hugo, et je ne suis pas le genre de vieux radin qui revient sur sa parole. Je n'abandonnerai jamais, mes amis. Dès qu'on aura trouvé le Dofus de Grugal, je vous rejoindrai pour combattre Nox. Ça me donnera l'occasion de voir ton royaume, Amalia. Et ne t'en fais pas pour moi, Ruel. C'est vous qui allez dans la même direction que Nox. C'est plutôt à moi de m'inquiéter. C'est pas faux. Et puis j'ai une super idée. On va faire comme dans les histoires cool que me racontait papa quand j'étais petit. On va faire une confrérie avec un pacte d'amitié secret. Ah oui, très bonne idée. On n'a qu'à l'appeler la confrérie de papa. Bah quoi? Au moins, c'est facile à retenir. Et pourquoi pas la communauté de l'anneau? Trop évident, ça a sûrement déjà été pris. Bah, c'est notre position assis en rond qui m'a fait penser à un anneau. Mais non, la confrérie de Pimpin, c'est bien plus simple. Ça pourrait être simple, c'est simple. Et pourquoi pas la compagnie des fleurs? C'est nul. Et pourquoi pas Ruby et les abrutis? Nul. Ouais, t'as raison. Ce sera... Ce sera... La confrérie du tofu. Super. Viendront tous dès que Nox plantera ses aiguilles en terre, Sadida. Que cette plume nous rappelle que nous sommes dans le cœur les uns des autres. Amis pour la vie! Amis pour la vie! Ouais! Un pour tous, tous pour un! Pimpin, vous allez manquer, toi et ta philosophie, hop. Si on allait dormir dans le sac de Ruelle. Entre mourir de froid ou d'asphyxie, c'est vite choisi. Mais tu devrais y aller, toi. Tu serais à l'abri là-dedans, non? Qu'est-ce que tu incinères? J'insinue que sans moi, le corbeau noir t'aurait transformé en saucisse grillée. Et je ne parle même pas de cette fois où j'ai dû enfiler une robe pour te délivrer de ces horribles princesses moches. Mais c'était pas ma faute, elle m'avait jeté un sort. Cela dit, t'étais plutôt jolie en robe. Très désagréable l'impression d'être suivi. Oh, arrête avec ta parano, Ruel. Ça commence à devenir stressant. Fais attention à toi, Hugo. Compte sur moi pour prendre soin des filles, Hugo. Merci pour tout, Ruel. Je comprends que papa te considère comme son meilleur ami. Mais Adama, il me dit que je peux pas emmener Gruffon pendant mon apprentissage et vous risquez d'en avoir plus besoin que moi. Pas de problème, mon bonhomme, je m'en occupe. Il ne m'a pas décroché un mot depuis que je lui ai annoncé. Ça lui passera. Et vous êtes sûr que vous vous en tirerez sans moi? Et je cours vite quand je veux, vous savez. Kart, t'es sûr que c'est bien le chemin le plus court vers le royaume Sadida? T'inquiète, il va vite nous retrouver, Hugo. Et c'est les compliments, comme au bon vieux temps. Gruffounet, toi le plus beau des chouchous mineurs, peux-tu nous indiquer la route? On va où, au fait? Au sud!
C'est parti! Prêt pour un tour de manège? Cool! Attention! Attention, c'est parti! Espèce de carte à la noix! T'aurais pu nous prévenir pour la tempête! En cas où tu n'aurais pas remarqué, je ne suis qu'une carte! Si tu voulais la météo, il fallait consulter une granouille! Mais quel crétin! Il va finir par nous la perdre! Reviens là, toi! J'espère que papa comprendra l'urgence de la situation. C'est la réaction de ton frère qui m'inquiète. Va-t'en guerre comme il est capable de vouloir affronter Nox tout seul. Mon frère, j'ai pas hâte de le revoir. Pour tout dire, moi non plus. Moins je le vois et mieux je me porte. Je vais encore devoir supporter ces flatteries et ces simagrées d'amoureux d'opérette. Et moi qui croyais que tu craquais pour les vrais héros. Pas ceux qui ont une haleine de porcassin. À part une boirquette, je ne vois pas qui aurait envie de l'embrasser. Bah. Amalia, tu diras à Mademoiselle la craque qu'on est bientôt arrivé. Il dit qu'on est bientôt arrivé. Accroche-toi, je vais te montrer quelque chose que t'as sûrement jamais vu. À Mademoiselle Lacra que le capitaine accepte de nous emmener jusqu'au portail Zap. Le départ est prévu demain matin. Il dit que... J'ai entendu, je ne suis pas sourde. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et comment vous comptez payer la traversée? Parce que je vous rappelle qu'on est fauchés. Mais bon, ça va, le réflexe du trof. Espèce de vieux radin. Mais tu commences à en avoir plein les ailes. Je ferais bien une grosse casse-croûte. Eux aussi, on dirait. Attachez vos ceintures, on descend. Au prochain iceberg, tournez à droite et continuez tout droit. Tout de même, c'est très généreux de votre part. Me donner une carte aussi rare, c'est de la folie. Elle vaut bien plus que le prix de la traversée. C'est rien. Vous savez, de nos jours, c'est tellement plus pratique de payer par carte. Faut pas se priver. Les icebergs changent de position chaque année. Je n'avais pas encore découvert un raccourci sûr pour rejoindre le Zap des rues Craig. Ma chère madame, il va falloir me faire confiance. Des coquilles de noix comme la vôtre, j'en ai guidé des centaines. Alors, tout capitaine que vous êtes, je ne vous permets pas de remettre en doute mes capacités. Mais qu'est-ce qu'elle est bavarde? C'est une carte à débit illimité. Quand j'étais petit, Alibert me racontait souvent la légende d'Ogrest. J'adorais cette histoire. C'était triste. Ogrest pleurait parce qu'il était seul au monde et ses larmes engloutissaient la terre. Tu crois que c'est ce qui s'est passé? Je sais pas. Grugal'Horagran m'a dit que le monde a beaucoup changé depuis son enfance. Mais il a raté la plupart des grands événements. Il a le sommeil lourd. Thank you.
de commencer à m'entraîner et de découvrir ce que je suis vraiment capable de faire avec mes pouvoirs. Ils sont costauds. Dans les fresques que j'ai vues, on voyait des héliatropes monter jusqu'aux étoiles. Aux étoiles? Waouh! Tu crois qu'il faut combien de portails pour arriver là-haut? On essaie? On monte jusqu'aux étoiles? Je sais pas trop. Sur les dessins, on aurait dit que c'était plutôt des adultes. Ça me paraît pas aussi haut. Si ça se trouve, je peux y arriver. Si ça se trouve, tu vas juste risquer ta peau. Allez! J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire de baleine à mocassin? Il a chopé un rhume de cerveau. Espèce de carte à jouer! Bête floufle! Je t'avais demandé un raccourci sûr! C'est le détroit d'Escarpins! Parce que c'est ma faute maintenant! Au dernier aspect, j'ai dit à bâbord et vous avez viré à tribord! J'y peux rien, moi, si vous ne savez pas naviguer. Maroufle, bourrique, qui de plan crache chenille. J'ai pas pour habitude de battre les cartes. Si elle continue, elle va s'en prendre. Et c'est quoi l'embrouille à Fauston? Le détroit est infesté de pirates. Il est trop tard pour faire demi-tour. Ouvrez l'œil. Pour donner aux pauvres qui deviennent riches. Du coup, on garde tout pour nous. Vous tombez mal, on n'a pas un camarade. Si vous voulez, j'ai ce truc-là, hein. Désolé, on n'accepte pas les cartes. Les bandits volent bas. C'est pas la saison, pourtant. Oh, belle crâne. Comme il est rare de trouver un tel diamant dans cet océan de glace. Je vois que notre arrivée a jeté un froid, mais sois sans crainte, il ne te sera fait aucun mal. Il est des assauts qui ne se donnent que dans l'intimité.
Notre chef a trouvé sa princesse. Tout ce qui bouge, tuez-le. Tout ce qui brille, pillez-le. Mais pourquoi c'est toujours elle qui se fait enlever? C'est moi, la princesse. Elle a peut-être son mot à dire, tu ne crois pas? Un yop qui se prend pour un héros. T'as pas trouvé mieux comme garde du corps, Belkra? Crache pas sur mon yop. Mis à part qu'il manque totalement de conversation en ce moment, je n'ai pas à m'en plaindre. Toi et tes plans à la noix, à la première occasion, je te revends. Bon, puisque c'est comme ça, changement de plan. Roublard, on tue tout le monde, on les prend aux mains par les oreilles et on fait tout sauter. C'est vrai, tu n'as pas à te plaindre de moi. Il faudrait quand même savoir. Savoir quoi? Une bombe. Je t'ai entendu te moquer de moi avec Amalia. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Haleine de porcassin, ça te rappelle rien? Quoi? Cervelle de Yop, je parlais du frère d'Amalia, le prince du Schmoll. C'est vrai? Alors tu veux dire que je ne suis pas un héros de pacotille? Non, mais une cervelle de Yop, ça c'est sûr. Dites donc, vous pourriez vous concentrer un petit peu? Je vous rappelle qu'on a un massacre à finir! Exactement! Et si on lui coupait la tête? Non, vous donnez pas cette peine, je connais le chemin. Salutations à votre chef. Galop. Ouais, bravo, bravo. C'est plutôt pas mal, en zéro. Oh, ma tête. Hugo, ça va? Oui, oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as puisé trop loin dans tes réserves de Wakfu. Ça a failli te tuer. Je suis désolée. T'avais raison. Il est temps que j'apprenne sérieusement à utiliser mes pouvoirs. Je ne sais pas comment vous remercier. Sans vous, on s'en serait jamais sorti vivant. Tenez, j'ai que ça à vous offrir. À la première occasion, je te vends. Bon vent, les amis! Et repassez nous voir un de ces jours! Dès que j'arrive, je me fais un bon bain chaud. Non, deux bains chauds et un massage des pieds aux herbes. J'ai quelques doutes sur l'accueil qu'on va nous réserver. Aux dernières nouvelles, tu es censé avoir fugué. Je reviens pour sauver le royaume. Ils ont intérêt à m'accueillir en grande pompe.
Et c'est parti pour le royaume Sanida. En grande pompe, hein? Un grand coup de pied dans le derrière. Ruelle! N'importe quoi!